Et yo les poulets, j'espère que tout le monde va bien. Petite surprise, oui, petite vidéo YouTube, voilà, pour se faire plaisir un petit peu. Je voulais faire un petit point sur les trois mécaniques principales des boss. C'est pas trop écrit sur YouTube et tout, puis je trouvais ça sympa de le faire. On va parler de la destruction, du counter et des équilibres. Donc pour faire simple, bah, les boss ont trois mécaniques principales à connaître. C'est bah, effectivement le counter, la destruction et le déséquilibre qui sont quand même vachement importante dans l'évolution de notre personnage et pour passer le contenu. Donc on va commencer par une mécanique qui est le counter, qui est une mécanique assez satisfaisante que j'adore, ce qui permet de faire tomber les boss à des certains moments. En gros, comment dire, le boss va devenir entre guillemets bleu, de couleur bleue, illuminé bleu. Et pendant ce laps de temps, on peut lui lancer un sort qui va nous permettre de le counter. Ce qui en soi le fait tomber. Donc ça va l'assommer. On va pouvoir derrière lui faire des dégâts. C'est un petit peu risqué quand on se rate parce que le boss, quand il va se mettre en phase pour être counter, il va généralement lancer une charge ou une attaque devant lui. Le timing du counter est assez serré, donc il faut faire ça rapidement. C'est pour ça que je voulais l'expliquer. Donc le counter, ça se passe comment? Chaque classe a un spell counter. Ou plusieurs, mais il en a au moins un. Pour mon cas, le blaster. Ou d'autres classes. Dans l'exemple que je vais vous montrer, ce sera avec mon striker, ce sera encore avec une autre classe. Vous pouvez vérifier que dans vos spells, là je prends le mien, donc je le mets au sauveur, il a des types de bonus, ce spell, qu'il va pouvoir faire. Donc là, typiquement, il a un type d'attaque qui est frontal, donc il doit être fait par l'avant. Il a une super armure, donc il l'immunise à certaines choses. Et il a une contre-attaque. La contre-attaque, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui va nous permettre de faire tomber ce boss. Donc il n'y a pas d'autre mécanique de counter possible, il n'y a pas d'objet qui serve à counter, en tout cas à ma connaissance. Donc il va falloir utiliser un spell pour ça. Sur les gardiens, c'est extrêmement intéressant. Certains boss n'ont pas de counter, mais beaucoup en ont. Donc c'est bien d'avoir un spell counter de côté ou dans ses spells principaux, ce qui est mon cas. Je vais vous montrer ça sur une petite vidéo, comment ça se passe. Je vais la remontrer plusieurs fois hein, pour que tout le monde comprenne bien. C'est très rapide, vous en faites pas. Alors elle est où? Elle est là. Ouais, elle est là. Hop, est-ce qu'on la voit? On a l'air de la voir? On la voit. Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Donc là je suis avec mon striker, on combat un scorpion. Je vais avancer un petit peu parce que ça sert à rien d'aller plus loin. Du coup, mon counter à moi, bah, il est sur mon R. Hein, vous voyez, c'est le spell qui est sur ma touche R ici. Donc c'est une petite frappe en avant qui va counter les boss. Et donc, on va mettre la vidéo en play. On aura le petit scorpion. Donc le scorpion se déplace, il se met en haut. Et là, il commence à faire un truc bizarre. En mode, ouais, il gratte le sol, on sait pas trop ce qu'il fait. Ah, il passe bleu. Alors, souvent où il passe bleu, chaque personnage qui est là, par exemple, même les deux à côté de moi ici et moi-même, pouvons lancer un counter. Donc il faut taper au niveau de sa tête, c'est obligatoire, sinon ça ne coûte pas. Ça ne coûte vraiment pas. Ça va se passer très vite parce que le counter de mon personnage est très rapide. Mais vous allez voir que je vais appuyer sur ma touche R et le boss va être stun. On va faire ça. Voilà. On va répéter. Le boss passe bleu. Boum. Simple, satisfaisant, on adore. Une première mécanique très intéressante à connaître que la majorité des boss possèdent. Deuxième mécanique, la destruction. La destruction, alors, dans le jeu, si vous avez des doutes sur quelle bombe prendre dans vos coffres ou à crafter, il faut prendre ces deux-là. Les deux principales bombes, c'est la destructrice et la tornade. C'est très important, les deux-là vous serviront jusqu'à la fin du late game possible. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais c'est les deux principales. Donc la destruction, qu'est-ce que c'est? C'est un boss qui a une armure ou une protection ou une partie qui est qui est cassable, on peut dire. Ouais, qu'on peut casser. Voilà. Ça va l'affaiblir, on va pouvoir lui faire plus de dégâts, ça va le faire tomber généralement aussi. Donc je vais vous le montrer aussi dans un exemple. Comment faire la destruction? On utilise cette bombe, donc bombe de destructrice. Elle a un petit truc qui écrit point faible niveau. X. Donc ça c'est le niveau de destruction qu'elle fait. Niveau 3 est un niveau très élevé. Donc ça va être un item vraiment indispensable quand vous voulez détruire quelque chose qui est destructible. Sachant que quelque chose de destructible a très souvent une cible sur elle. Je vais vous le montrer. Au niveau de vos spells, vous avez des spells qui ont de la destruction de manière générale. Moi par exemple dans le mien,
Voilà, on va prendre celui-là. Barrage de projectiles, destruction partielle, niveau 1. Donc, un niveau assez commun. Mais il a de la destruction, donc il servira à casser une partie s'il faut. Mais il est quand même plus faible que la bombe. La bombe est extrêmement forte. Est-ce qu'on en a d'autres? On n'a pas l'un des équipes, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, si je veux faire la destruction, après j'en ai encore quand je me transforme en tourelle. Mais pour l'instant, la tourelle, je sais pas vous montrer, ça sert à rien. On va prendre cet exemple-là. Regardez votre spell avec de la destruction. Donc si je veux casser une part actuellement, enfin une partie avec mon blaster, il faudra que je lance une bombe de destruction et un barrage de projectiles. Voilà. Je vais vous montrer un petit exemple, comment ça fonctionne. C'est très visible, hein, très visuel, donc ça devrait vous plaire. Hop. Alors, on va aller vers la fin de cette vidéo. On va être par là. Voilà. Donc on arrive toujours pareil sur ce scorpion qui se fait assommer. Voilà. Il se fait assommer, il tombe. Et la queue est son point faible. Vous allez le voir tout de suite. Une petite cible apparaît. Le boss est par terre, bien entendu. Une cible apparaît. Ça, c'est l'endroit où il faut taper pour casser la protection du boss. La grosse zone bleue que vous voyez au sol, c'est quoi? C'est la bombe. Parce qu'actuellement, je suis en train d'appuyer sur la bombe pour lui lancer dessus. Et regardez ce qui se passe. Ça écrit destruction à la tombée de la bombe. Ça veut dire que j'ai fait des dégâts de destruction. Et il y a eu assez de dégâts de destruction pour que, boum, le boss soit cassé, entre guillemets. Soit affaibli. Donc il retombe une deuxième fois, on peut encore le taper plus que ça, enfin bref, et rebelote, et rebelote, et rebelote. Sur ce boss là par exemple, si on lui recasse la queue une deuxième fois, c'est la queue qui tombe. Ce n'est pas son armure, c'est la queue entière. Du coup il perd des habilités. Voilà. Donc là j'ai même pas eu besoin de lancer un seul sort. Avec les dégâts de destruction certainement de nos mates et la bombe que je viens de lancer, ça a cassé. Voilà. Donc pour la destruction, on a fait le tour. Maintenant le déséquilibre. Alors le déséquilibre c'est un peu particulier. Déséquilibre, donc vous avez pareil des spells qui ont du déséquilibre. Donc là, déséquilibre moyen moins élevé sur celui-là par exemple. Et là, bombe tornade qui a un déséquilibre élevé. Alors, bombe tornade, c'est très très important d'en avoir parce que c'est souvent avoir besoin de faire du déséquilibre dans le Stark en général. Comment ça se passe? On va prendre un exemple tout de suite pour que ce soit très clair pour vous. En gros, le boss a besoin qu'on le fasse tomber d'une façon ou d'une autre, vous allez voir. A besoin. Nous avons besoin de faire tomber le boss. Hop, voilà. Alors on va mettre pause. Donc là on est sur un boss. Il y a deux types d'impair dans le jeu. Deux façons d'impair. L'impair c'est le déséquilibre. Tout le monde vous dira faites de l'impairment, de l'impairment, de l'impairment. C'est du déséquilibre en français. Donc c'est la bombe tornade ou des sorts de déséquilibre à faire. Vous voyez le boss a sa barre de vie en haut. Mais une barre violette. Cette barre violette, si elle tombe à zéro, le boss tombe par terre. Il est assommé. Donc affaibli ou déséquilibré. Ce qui se passe, c'est que pour descendre cette barre violette, vous avez besoin de faire des sorts de déséquilibre. Alors, certains sorts participent aussi à ça, mais majoritairement, le déséquilibre descend cette barre très rapidement. Donc, ça peut être un indicateur pour vous, quand vous allez voir que cette barre violette tombera à zéro, vous allez vous dire, ok, le boss va bientôt tomber, quand il est par terre, c'est peut-être le moment de mettre tous mes gros sorts. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième déséquilibre à faire dans le jeu, qui n'est pas celui que je viens de vous expliquer. C'est celui qui s'image par une petite barre orange-jaune à un moment donné, qu'il faut absolument casser pour interrompre le boss dans ce qu'il fait. Cette barre jaune, ça peut être une explosion, ça peut être une chope sur quelqu'un, et donc cette chope va faire qu'il va certainement tuer la personne. Et nous, notre rôle, quand on n'est pas attrapé, c'est de casser cette barre. Comment on casse cette barre? Exactement pareil. Grenade tornade, donc la fameuse bombe, ou des sorts de déséquilibre. On va prendre un exemple, là le boss va certainement choper quelqu'un, il me semble, dans cette vidéo. On va regarder ça. Voilà, boum boum boum. Il est pas content. Tu veux pas attraper quelqu'un? Mais si tu veux attraper quelqu'un. Là c'est un boss très important pour les shops celui-là d'ailleurs. Je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais très très important. Voilà. Il m'a attrapé. Oui, il m'a dans sa main là. Voilà, il m'a chopé. Il m'a chopé, une barre jaune est apparue. Cette barre jaune, il faut absolument la mettre à zéro avant qu'il me tue. Aussi simple que ça. Comment la mettre à zéro? Comme je viens de vous expliquer. Sort des équilibres, grenade de tornade. Donc là, c'est mes collègues qui vont le faire. Vous allez voir cette barre réduire très rapidement. Vous voyez? Boum. Ça me libère. Et le boss est assommé.
Oui, mais il a pris une baffe. Voilà, il titube. Et voilà. Donc j'espère que ça aura été clair. S'il y a des questions, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur YouTube. Voilà, je suis présent, je réponds aux questions. Et ce serait avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonnes aventures sur Lost Ark. Kiffez bien. Et des gros bisous.